qui est Charles Consigny, le remplaçant de Yann Moix dans ONP Sian Moix qui t'en est pas couché, l'émission de France 2 présentée par Laurent Ruquier. Pour le remplacer, l'écrivain de 28 ans Charles Consigny au CV déjà bien rempli. Clap de fin pour Yann Moix, le polémiste quitte l'émission de France 2 On n'est pas couché à la fin de la saison. Qui remplacera donc le chroniqueur aux côtés de Christine Angot, interrogé sur RMC début juin, il a donné quelques indices sur celui qui le succédera. Ce sera un écrivain, un intellectuel, ce ne sera pas un journaliste, assurait-il. Le Point a finalement donné son nom ce mardi 26 juin, ce sera donc Charles Consigny. À 28 ans, l'écrivain, chroniqueur au Point et à la radio chez sur RMC dans les grandes gueules, n'en est pas à son coup d'essai avec le présentateur Laurent Ruquier et la productrice Catherine Barma. Le trio avait déjà travaillé ensemble pour l'émission Pour tous en 2014 sur France 2. Charles Consigny n'a pas à rougir de son CV, auteur de 3 livres, dont 2 romans, depuis 2011. Il est juriste de formation et a obtenu un master en droit privé, un autre en histoire du droit à la Sorbonne. Il a effectué son stage de fin d'études chez Hervé Temim, considéré comme l'un des tout meilleurs avocats pénalistes de France, détaille l'hebdomadaire. Il a également fondé un fanzine, Spring, dont 10 numéros ont été publiés en 3 ans. C'est désormais un tout autre défi que s'apprête à relever le jeune chroniqueur. Ce fauteuil est plutôt controversé, les polémistes de Laurent Ruquier sont souvent pris à partie par les téléspectateurs. L'émission a en revanche constitué un sacré tournant dans la carrière de Léa Salamé, Éric Zemmour, Éric Nolot ou encore Natacha Polony. J'ai conscience qu'il ne sera pas facile de succéder à Yann Moix et j'espère de tout cœur former un bon duo avec Christine Angot qui est un écrivain de grand talent pour qui j'ai beaucoup de respect. Je suis très touchée de la confiance que m'accordent Laurent Ruquier et Catherine Barma. Je ferai tout pour être à la hauteur, a assuré Charles Consigny au Point. Crédit photo, BESTIMAGE chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail recevoir veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site, Charles Consigny.